Qu'est-ce qui t'est arrivé, Raphaël? Tu peux pas te débrouiller tout seul? Tu as besoin d'aide? Lâche-le. Je t'ai dit de le lâcher! Tu m'as déjà enlevé une fois. Et j'ai pu le raconter. Ce n'est pas ton affaire, petit prince. C'est une affaire entre ton père et moi. C'est une question d'honneur. Et toi? Tu as besoin de ton gosse pour te défendre? N'essaye pas de toucher à mon fils. C'est pas ce qui était prévu. Mais vous m'y obligez. Vous allez tous les deux souffrir. Et c'est toi qui vas passer en premier. Attention! Lâchez-moi! Arrêtez! Au secours! Au secours! Mon fils! Gardien! 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 Ah! 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 Calmez-vous! Calmez-vous! Allez! J'ai dit calmez-vous! Dégagez par là-bas! Vous venez d'arriver, vous êtes déjà en train de vous battre? Cet imbécile a essayé de tuer mon père! Les affaires ici se règlent toutes pareilles! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer à la maîtresse? Fiston! Du calme! J'ai dit du calme! Et toi, j'ai bien regardé ton dossier. Là-bas, dans ton village, tu faisais ce que tu voulais, hein? Mais ici, tu te calmes! Tu te calmes, tu m'écoutes! Ici, vous êtes tous des assassins. Tu as compris? Vraiment tous des assassins. Alors, soit vous vous calmez, soit je vous calme. Hé, laisse mon fils! Toi, le chien, je t'ai déjà dit, et sûrement plusieurs fois, ici, il y a des règles. Il faut les respecter. Je vais t'apprendre! Papa! Emmenez-les! À la place des journaux, pourquoi n'achetez-vous pas une de mes œuvres? On n'est pas intéressé par tes tableaux. Ce qui nous intéresse, c'est sortir mon père et mon frère de là. Mon offre est illimitée. Les journaux de mon ami, Olivier Zamora, ne sont pas à vendre. Alors dites-moi, je peux vous être utile autrement? C'est toi qui les as volés. Ces journaux ont toujours appartenu à ma famille. Mais bien sûr, tout a un prix dans la vie, c'est vrai, hein? Les tableaux, et même les gens. Alors si t'arrêtais de tourner autour du pot et que tu me disais une bonne fois pour toutes, combien tu veux en échange? Pourquoi tu n'utilises pas ton argent pour découvrir le véritable coupable? J'échange seulement des journaux contre des peintures. Ton frère dessine très bien. Il devrait te peindre. Tu as la même structure osseuse que ta mère, parfaite pour être immortalisée. Attends, Patrick. Mon frère pense que mon père est innocent et pour le vérifier, il a besoin des journaux. Je t'en prie, fais-le pour la mémoire d'Olivia Zamora. Donne-les-nous. Je veux pas que mon frère meure en prison. Oui, papa. Je suis arrivée à Valé tout à l'heure. Je suis en train de suivre toutes les pistes qu'aurait pu laisser Antonio. Je vais rester ici jusqu'à demain. Quoi? Je veux poursuivre l'enquête. Je vais rester dans ton chalet. Demain, sans faute, je rentre à Mexico. Dans mon chalet, non. Ce n'est pas une bonne idée. Papa, si je dois laisser l'homme que j'aime moisir en prison jusqu'à la fin de sa vie, je veux bien être sûre que ce soit pas une erreur. Je suis désolée, mais je vais rester là. Bon, très bien. Je vais t'aider. J'arrive. Non, c'est pas la peine, papa. J'ai les clés du chalet. En plus, il y a Fuentes qui m'aide. Je t'appelle. Marcella! Marcella! Capitaine, c'est important, nous pourrons sortir Francisco de là. La plainte pour vol a été retirée, nous pouvons donc le faire sortir. Ok, tu t'en occupes. De tous ces trucs de pathologie, j'ai besoin de régler une affaire personnelle. Allez, allez, dépêche-toi. Où est-ce que j'ai laissé la chaussure? C'est un vrai miracle qu'ils ne nous aient pas tous mis dans des cellules isolées. Ces idiots vont nous avoir à l'œil. À partir de maintenant, il faudra rester sur nos gardes, mon fils. Tu m'as sauvé la peau, Francisco. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je n'aime pas que tu sois enfermé ici pour être mon garde du corps. Depuis que je t'ai aidé à fuir, je savais que je pouvais me retrouver ici. J'ai mis tout ce temps à profit pour me faire aider. Non, mais ce n'est pas juste. Je suis un adulte, je prends mes propres décisions. Je savais que Raphaël voudrait se venger de toi. Tu as dit toi-même que tu ne survivrais pas ici. Alors je vais faire en sorte que si. On est une équipe. Si mon père est enfermé injustement, je ne vais pas le laisser seul. Qui c'est? C'est le requin. On peut dire que c'est lui qui commande ici. J'ai cherché un moyen de devenir son ami parce que celui qui est de son côté a beaucoup de privilèges, tu vois. Il a tué sa petite amie et l'amant de celle-ci, et il a été condamné à une longue peine. Mais on n'est pas des criminels. Et tu vois, mon fils, ils vont bientôt se rendre compte, alors on doit absolument faire profil bas. On n'est pas des criminels? Non, je veux dire, nous sommes coupables de nous être enfuis, mais ça ne fait pas de nous... Attends, papa. Pourquoi, lorsque tu as été arrêté pour la mort de Consuelo Prado, tu n'as pas dit à la police d'interroger Lupe? Elle était ton alibi parfait. Si tu étais avec elle, tu n'étais pas le coupable. Non. La nuit durant laquelle Consuelo a disparu, je n'étais pas avec Lupe. Quoi? Elle a juste dit ça pour me protéger. La nuit où tout ça s'est passé, j'étais avec une autre femme. Non, je ne comprends rien. Avec qui tu étais la nuit du meurtre de Consuelo Prado, papa? Avec Selena. Hein? Tiens. Et tu étais inquiète pour Barbara? Et pourquoi? J'étais l'assistante et l'amie d'Olivia pendant très longtemps. Et pour moi, Barbara faisait partie de ma famille. Tu vois? J'ai pensé à tout sauf ça. J'aurais juré que tu ne pensais qu'au travail et aux affaires. Tu parles comme si j'avais un cœur de pierre, mais ce n'est pas vrai. Barbara a beaucoup souffert et elle a toujours vécu dans l'ombre de sa mère, tu le sais. Être en compétition avec Olivia signifie bien connaître l'échec. Ça a été difficile, Barbara a beaucoup souffert. Oui, justement, c'est pour ça que je voudrais que tu me rendes un service. Oui, tout ce que tu veux. Je suis partisane de laisser son esprit échapper à la réalité de temps en temps, quand c'est nécessaire. C'est que la vie nous met parfois face à des défis très difficiles et c'est mieux de les contourner. Ok, mais je ne comprends pas, je ne vois pas où tu veux en venir. Moi je crois que si, tu le sais, André. Tu aimes beaucoup Barbara. Pourquoi tu ne l'aides pas à échapper à ses problèmes? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour mademoiselle. Eh bien je suis ici pour protéger mes enfants. Et les protéger contre tous ceux qui voudraient leur faire du mal. Ils t'ont pas loupé, mon frère. Mais tu vois, c'est ce qui arrive quand t'énerves le sale diva. Faut pas le chercher, celui-là. T'inquiète pas, j'ai l'habitude de ces choses-là. J'ai pas peur de mourir. Nous, les pauvres, on est nés pour souffrir. C'est pour ça qu'on tient bon. Pas comme ceux-là. Les riches ne savent pas ce que c'est que d'être dans un trou. Nous, on se salit toujours les mains. C'est comme ça, mon frère. On ne peut rien y faire. C'est la vie, non? Tu veux que je te dise ce que j'aime le plus ici? Quoi? Le fait que nous soyons tous égaux. Et que ces chiens vont souffrir comme tous les autres. Ça, c'est dans ton film. Parce qu'ici, le sale divar t'a déjà dans le collimateur. Et si tu t'approches d'eux, eh bien, t'es déjà mort. Attention. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Comment je pourrais me les faire, alors? Il y a bien une manière. Ce n'est pas facile. Mais si tu essaies... Je ferai n'importe quoi pour me les faire. Regarde. Le requin. Si tu fais en sorte que Francisco et son père soient sur sa liste noire, ils ne s'en sortiront pas. Je savais déjà qu'on n'obtiendrait rien avec cet imbécile. Bon, c'est vrai, mais au moins on a essayé. Écoute, je vais pas rester les bras croisés. Je vais porter plainte. Ces journaux sont à la famille, ils nous appartiennent. Andrade, je ne suis pas l'homme que tu cherches. Même si je le reconnais, Olivia fut la plus belle personne que j'ai connue. Mais je ne te l'ai pas enlevée. Olivia n'a jamais écrit le prénom de son amant. Et c'est vrai que personne ne le savait. Elle ne l'appelait que par la lettre P. Son histoire a connu beaucoup de rebondissements. Il ne peut rien y avoir de bon sous un tel secret. Même avec moi, elle ne parlait pas de ces choses-là. Oui, oui, c'est bon. Je connais déjà l'histoire. Andrade, c'est possible qu'il y ait quelque chose d'autre, mais tu ne vas pas le trouver dans les journaux intimes d'Olivia. Alors, apprends à chercher ailleurs. Marcella, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as pu trouver? Tu sais que je vais pas rester les bras croisés. Je suis allée parler à la serveuse de l'hôtel. Effectivement, Antonio Toro a trop bu ce soir-là. Mais d'après elle, il n'était pas en état de tuer quelqu'un. Papa, explique-moi, comment ça se fait qu'il y a des livres de coloriage et des contes pour enfants dans le salon? Je ne sais pas. Tu te souviens que j'ai loué le chalet, non? Ah, oui. Je vais faire le ménage parce qu'il en a besoin, là. Non, non, non. Marcella, laisse-la comme elle est. Papa, je sais pas si t'es venu à la maison, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça me surprend de toi, mais j'imagine que tes locataires avaient des enfants, ou je ne sais pas. Même les murs sont tachés de chocolat. Écoute, Marcella, laisse les choses comme elles sont, d'accord? Repose-toi plutôt et... Dégage! Non, pas toi! C'est parce que je suis en voiture. Ce n'est rien. Je vais envoyer la femme de ménage pour arranger la maison, t'inquiète pas. Papa, c'est bon, je vais juste ranger un peu. Je dois me mettre au travail. T'as reçu du courrier, je te l'amène, ok? Je t'appelle plus tard. C'est parti. Je t'ai dit que j'avais honte de le dire, mais c'est vrai. Je couchais avec l'assistante de ta mère. Et si je ne t'ai rien dit, c'est à cause d'elle. Elle va me tuer. Elle va même mourir de honte si elle apprend que je te l'ai dit. C'est pour ça que tu n'as rien dit? Pour la protéger? Bien, avant tout, je suis un gentleman. Je sais, ce n'est pas bien, mais elle n'est pas seule. Je veux dire... J'ai compris, papa. Tu as couché avec l'ami de ma mère, avec son assistante, avec la nounou de son fils. Ça ne suffit pas? Tu aurais dû emmener Selena pour qu'elle témoigne. Lui, c'est le requin. Celui qui, selon toi, commande ici. C'est ça. Aucune mouche ne vole ici s'il n'est pas d'accord. Ben, on va peut-être devoir devenir ses amis, comme tu dis. Ça va être notre seule chance de survivre dans ce trou. Ouais, je pense que t'as raison. Ça va être difficile. Si le problème, c'est l'argent, je peux le trouver. Non, mon frère. Le requin n'a pas besoin d'argent. Ici, en prison, il a tout gratuitement. Mais pour l'avoir, il te faut autre chose. Les types comme lui ne s'intéressent qu'aux informations de ceux de son espèce. Ce qu'un fils de riche comme toi peut lui donner, il n'en a rien à faire. Il vaut mieux que tu retournes avec ton père, avant que tu ne deviennes un orphelin. J'ai besoin que tu dises au requin que j'ai connu quelqu'un comme lui, le poète, et j'ai quelque chose qui peut l'intéresser. Regarde, juste regarde. Elle avait les mêmes yeux quand elle était petite. Elle te ressemble un peu? Ah, arrête de mentir. Elle était bien plus belle que moi. Et j'ai beau tout faire pour essayer de lui ressembler, je n'y arrive pas. Pire encore. Mes copains venaient étudier à la maison juste pour voir ma mère, alors t'imagines? Ah oui? Oui, parce qu'elle nous faisait à manger, et pas seulement à manger. Elle nous aidait à étudier parce qu'elle était très intelligente. En fait, plus qu'intelligente, ta mère était... belle, charismatique. Alors toi, tu flashes complètement sur elle. J'arrive pas à y croire. Je ne vais pas le nier que ta mère me plaisait beaucoup. Mais... toi aussi, tu es très jolie et très belle. Tu peux me donner une pilule? Barbara... je t'ai déjà dit non. Allez, s'il te plaît. Non. Ton idée des mails était très bonne. Au moins, Francisco a envisagé la possibilité de vendre la maison d'Olivia. Oui, mais en échange de ses journaux, et je ne pense pas que tu puisses les avoir si Patrick a refusé ton argent. Mon avocat m'a dit qu'il y avait un recours, une manière légale de pouvoir les obtenir. Eh bien, espérons-le, Gaston. Parce que tu as beaucoup souffert et tu mérites vraiment d'être heureux. Et que ton entreprise retrouve son prestige. C'est vrai, mais ne te réjouis pas trop vite. Il faudrait d'abord qu'on récupère ces journaux. Tu sais quoi? Ça m'a vraiment toujours intriguée qu'elle écrive autant. Elle les avait tout le temps dans son sac. Tu n'as jamais rien lu au sujet d'un certain P? Je crois que si. Mais dans son agenda. Et tu sais qui c'était? Elle m'a déjà parlé de lui une fois. Tu parles vraiment de la lettre P? Oui. C'est ça? Réunion avec P. P était l'amant d'Olivia. Celui avec lequel elle me trompait. Alors, si tu te souviens de quelque chose, je te remercierai de me le dire. Bien sûr que oui. Tu sais que je suis de ton côté, tu le sais. Je me suis renseigné. Et ça se pourrait qu'un des gardiens nous mette dans la même cellule. Je me suis arrangé avec lui. Francisco, je peux me débrouiller tout seul. En plus, mes compagnons de cellule ne sont pas si mauvais. Ça aurait pu être bien pire. Et alors? Je veux changer de cellule, ça se fera vite fait. Fais attention, crétin. Fais attention à toi. Oh... Le petit garçon d'Olivia Zamora fait de la rébellion. Francisco, pas de provocation, ne t'abaisse pas à son niveau. Mon fils... Allez, on y va, le dîner est terminé. Vous deux là, rassemblez-les. Allez, dépêchez-vous, on y va. C'est bon, c'est bon. Il paraît que la première nuit en prison, c'est la pire. Essaye de survivre, je serai pas loin. Allez vous, on se dépêche. T'es arrivé chez toi? À Valé des Bravos. Quoi? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je t'ai dit que je voulais t'aider, Marcella. Je sais que tu ne te sens pas bien, et je sais que Francisco te manque beaucoup. Merci, papa, mais vraiment, c'est pas la peine. Tout va bien? Oui. Je continue à enquêter. Pourquoi tu demandes? Y a un problème? Non, pour rien. À tout à l'heure. Selena, s'il te plaît, annule mon rendez-vous avec mon prochain client. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà programmé pour le 9. Merci. Olivia, avant que j'oublie, qui est P? Pardon? La lettre P dans ton agenda ce matin. Tu avais une réunion avec je ne sais pas qui. C'était au cas où tu voulais que je confirme. Ah, P, P de policier. C'est pour une histoire de contravention que j'ai reçue. P... Oui. Toro. C'est quoi? Le petit taureau me les a demandés pour toi. Le petit taureau? Ton gamin, mon gars, cet après-midi. Alors comme ça, tu aimes la peinture, c'est ça? Ouais. J'ai fait de la peinture pendant des années. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché à tout ça. Bah ici, tu as tout le temps du monde pour reprendre goût à la peinture et au dessin. Ton gamin t'aime vraiment. Vraiment. Je dirais même trop. Oui. Allez, à demain. Tu vas me laisser me reposer, ou je vais descendre t'assommer. Je suis juste en train de dessiner. Tu m'empêches de dormir. Ou alors tu t'arrêtes. Ou c'est dans le cou que je te le plante, ton crayon. Cadeau d'anniversaire pour Francisco. Si je pensais qu'il n'y avait pas d'espoir, et que les coupables paient pour tout ce qu'ils ont fait, et que les innocents restent libres, je ne serais pas ici, mon amour. Je veux te toucher, t'embrasser, te faire l'amour. Faire comme si ce cauchemar n'était pas réel, et que ce n'était qu'un mauvais rêve. Que ma mère revienne, que mon père soit libéré. Je peux pas imaginer à quel point Francisco doit être mal. Je sais même pas comment on va le sortir de là. Ne t'inquiète pas, c'est une question de temps pour que ton frère sorte de prison. Il est têtu, et en plus il est bête parce qu'il va y rester juste pour protéger mon père. Ne le sous-estime pas, il est très intelligent. Bientôt, il se rendra compte qu'il peut aider ton père en étant dehors avec des avocats, et non enfermé en essayant de jouer les justiciers. Marcella! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout découvert. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, quand Olivia Zamora a disparu. Antonio n'est pas l'assassin. Est-ce que tu pourrais m'aider à avoir une pilule? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Barbara, bon sang? Mais il y a des fois où je me sens très déprimée, et ces pilules, je sais pas, elles me font du bien. Tu peux peut-être dire à André qu'il t'en donne une et... Non, 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 oublie ça. Barbara, qu'est-ce que tu as? Je t'en prie. Regarde, tu es en train de trembler. Barbara, tu n'as absolument rien à craindre. Je suis avec toi, d'accord? Mais tu dois être courageuse. Et forte. Plus de pilules. Ok? Repose-toi maintenant. Viens là. Antonio a commandé à manger à l'hôtel à 22 h. Un peu plus tard, il s'est commandé à boire à 1 h du matin. Et les coups de fil n'ont pas arrêté, donc... Antonio n'a probablement pas quitté l'hôtel. Ma fille, profite de cette journée, oublie cette affaire. Ça te touche plus que tu ne le crois. Tu peux arrêter de ranger les affaires. Stop, papa. C'est pas le moment de faire ça, hein. Au fait, ils ont fumé ici. Il y a des cigarettes dans ton bureau. Tu sais à quel point je suis obsessionnel. Je n'aime pas que ce soit le bazar. Si j'avais su qu'il y avait des enfants, je ne l'aurais pas loué. Papa, Olivia est bien partie après. Donc avec tout l'alcool qu'Antonio avait bu cette nuit-là, il n'a pas pu aller la voir, c'est impossible. En plus, la serveuse lui a apporté un antiacide à 3 h du matin. Et à propos de la voiture de José? Quoi? Papa, mais qu'est-ce que tu cherches? Rien. Tu as raison, ils ont vraiment laissé un gros bazar. Je te l'ai dit. Ces locataires, avec leurs enfants, ils n'ont rien respecté. Regarde, ils ont taché les murs. Combien il y avait d'enfants? Ils avaient quel âge, à peu près? Je ne sais pas combien ils étaient, et encore moins leur âge. J'imagine qu'ils étaient 2. Parce que j'ai trouvé une couche d'un enfant qui devait avoir à peu près 2 ans. Et avec les contes que j'ai lus, j'imagine que l'autre devait avoir 6 ans. Tu es aussi intelligente que ton père. Tu sais calculer. T'aurais pas dû louer la maison, c'est tout. Et encore moins à des locataires qui ont des enfants. Ils vont la détruire. Tu as raison. Ils n'ont vraiment rien respecté. Je ne le referai plus. Papa, tu veux pas venir t'asseoir un peu, s'il te plaît? J'arrive. Je dois terminer le ménage. Qu'est-ce qui se passe, petit prince? Ta maison te manque ou quoi? Ah, maintenant le crétin ne va plus me parler. Tu penses que tu es mon maître et moi ton esclave, hein? Ferme-la. Comme Sa Majesté voudra. Tu veux qu'on règle nos comptes maintenant? Qu'on se cogne dessus pour se défouler? C'est pas comme ça que t'auras ta vengeance. Ce que je veux, c'est que tu dégages. C'est une affaire entre ton père et moi. Bah tu n'as pas le choix, parce que je partirai pas d'ici. Toi, tu vas partir un jour. Et ton père, je n'en ferai qu'une bouchée. Moreno, t'as de la visite? Vas-y, allez. T'as entendu ce que je viens de te dire? Allez, viens. T'as pu parler avec lui? Oui, mon frère. Et apparemment, le requin est vraiment intéressé par ton offre. Le renseignement sur le poète? Et sur ta mère, Olivia Zamora. Rejoins-le pour manger à sa table, ok? Comment est-ce que tu vas, mon chéri? Comment ils t'ont traité? Ne t'inquiète pas, maman. Crois-moi que je suis bien mieux dedans que dehors. Et en plus, je tiens Antonio Toro entre mes mains. Et je lui ai promis qu'il allait payer pour la mort de ma sœur. Mon fils, non. Non. Non quoi, maman? Est-ce que t'es en train de faire marche arrière? Tu ne veux plus que ma sœur soit vengée? Ces enfants m'inquiètent beaucoup. Pour moi, il peut bien pourrir là-dedans. Mais Barbara, elle est toute bizarre. Elle est mal et Francisco... Et Loupé, alors? On l'abandonne, c'est ça? Non, maman. Je te le promets, Antonio et son fils ne vont pas s'en tirer comme ça. Francisco, tu ne le touches pas. Parce qu'il n'a rien fait. Il l'a aidé. Ils ont presque quitté le pays. Et il n'a rien fait? Mais parce que c'est son père. N'importe quel fils le ferait. Attends, tu ne te souviens pas que tu as enlevé Francisco juste parce que tu voulais m'aider? Tu ne t'en souviens pas? C'est pour ça que je suis ici, maman. Je suis en train de le payer. Tout comme lui doit payer pour ce qu'il a fait. Mon fils, s'il te plaît, non. Je t'en prie, non. Tu peux bien t'entendre avec les enfants de l'assassin de ma sœur. Mais pas moi! Ils ne sont pas ma famille. Et dedans, je ne réponds de rien. Raphaël. Raphaël, mon fils. Au revoir, maman. Raphaël, s'il te plaît, non. Je vous ai apporté les spécifications techniques de la construction de Ramirez. Laisse-les sur la table, s'il te plaît. J'espère que vous n'allez pas me cogner pour ce que je vais dire. Vous allez bien? Oui. Merci. Et ton œil, comment il va? Bien. Ça va, mieux. Ça ne me fait plus mal. J'en ai reçu beaucoup à l'école. Des coups, je veux dire. Des coups. José, j'ai appris que vous avez mis en vente la maison de Valé. Bertha m'a dit que vous aimiez beaucoup cette maison. Oui. Imagine-toi que c'était même la maison de mes parents. On y a passé beaucoup de week-ends et aussi presque toutes les vacances. Tu ne sais pas la quantité de choses que j'y ai apprises. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et malgré tout ça, il y a de grandes chances pour que cette entreprise ferme très bientôt. Je suis vraiment désolé. Merci, Daniel. Mon cher disciple, Tu es la première personne qui vient me voir. Gaston m'a demandé les journaux de ta mère. Je lui ai demandé. Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a des preuves pour prouver l'innocence de mon père. Tu es très courageux d'être ici. Mais je ne veux pas que ton esprit se repose. Tu dois continuer à peindre. Oui, je le fais. Enfin, quand j'ai le temps. Qui l'aurait cru? Elle est en train de te sauver la vie. Et il y en a d'autres. Ils me les rendront quand on sortira. Il y a là une information très importante qui peut être utile. Olivia parle de ses parents biologiques et d'une sœur qu'elle considérait comme un cauchemar. Ma tante Johanna? Non, une sœur biologique avec laquelle elle était toujours en contact. Oui, Marcella, j'ai dû rentrer rapidement. Je dois faire un rapport avec les avancées de l'affaire Toro. Je n'ai pas voulu te réveiller. Ok, papa. Moi, je rentre cet après-midi. Je veux poser quelques questions à José Villela et à son épouse. D'accord. À tout à l'heure. Fais attention sur la route, s'il te plaît. Bien sûr. Tu sais bien que je suis toujours prudent. À plus tard. C'est P. P de policier. C'est pour une histoire de contravention que j'ai reçue. Allô? Selena, c'est moi, Francisco. Je t'appelle de la prison. J'ai besoin de te voir. Tu peux quand? Oui, oui, bien sûr. Je viens te voir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Gaston, je crois qu'on a réussi. Je suis sûre que Francisco veut confirmer que les mails sont bien réels et te vendre la maison. Gaston, ne me laisse pas seule aujourd'hui, s'il te plaît. Barbara, j'ai des choses à faire. Mais pourquoi tout est plus important que moi? Si je m'appelais Olivia, tout serait différent. Barbara... Ne me laisse pas seule, s'il te plaît, je me sens vraiment mal. J'ai besoin que tu te comportes comme une femme, pas comme une petite fille. D'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou quoi? De quoi tu parles, André? Je t'ai vu. Je vous ai vu vous embrasser avec l'ex-mari de ta mère. Oh, écoute André, je peux t'expliquer, je vais pas bien. Je vais pas bien, je t'assure. Et alors, pour te détendre, tu couches avec lui? Non, c'est pas ce que tu crois. Tu me déçois beaucoup, Barbara. J'arrive pas à le croire. Non mais, André, tu vois, avec Gaston, j'ai un lien très fort, très fort. À chaque fois que je suis avec lui, je sens la présence de ma mère, qu'elle est près de moi. J'ai même l'impression d'être Olivia. Et j'ai besoin d'une pilule, s'il te plaît. Tais-toi ! Une pilule. Je voulais être ma mère. Je vais pas bien. Toutes les personnes qui l'admiraient, qui la désiraient, qui l'aimait... Barbara, je t'en prie, arrête. Barbara, écoute-moi bien. Ta mère était une femme spéciale. Mais tu l'es, toi aussi. Regarde-toi. Tu es très belle aussi. Si, tu l'es. Écoute-moi. Non, je suis spéciale pour personne. Franchement, je me fais de la peine, je me dégoûte, je suis nulle. Oui, je suis folle parce que ma mère est morte. Mon père est en prison et mon frère n'est pas là. Mais ce n'est pas une raison pour que tu te drogues, tu comprends? Oh ouais, je suis faible. Je suis faible. Et j'ai besoin des pilules pour me sentir bien parce que je suis pas comme ma mère, je suis pas comme mon frère, je suis rien. Les pilules me font me sentir bien, s'il te plaît, j'en ai besoin. Si c'est ça que tu veux. Tiens. Ne me touche pas. Merci, merci. Ne me touche pas, Barbara. Drogue-toi. Deviens folle. Apparemment, c'est uniquement à ça que je sers dans cette famille. On n'est pas aussi bon que toi, André. André? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Je déteste toutes les femmes de cette maudite famille. Tu es ivre? Ivre? C'est toi qui es ivre ici. Tu ne le vois pas? C'est vrai tout ce qu'on dit sur vous. Que vous utilisez les hommes, et après vous les jetez à la poubelle. Francisco, tu vas bien? Comment te traite-t-il? Tu t'es battu? Je vais bien. Plus de peur que de mal. Écoute, ne t'inquiète pas, je te jure que tu vas bientôt sortir d'ici. J'ai beaucoup parlé avec Gaston et il m'a certifié qu'il travaillait tous les jours avec l'avocat pour convaincre le juge que tu peux gérer ton affaire en étant dehors. Bien sûr que je vais sortir, mais accompagné de mon père, parce qu'il y a des preuves de son innocence. Quoi? Ah bon? Est-ce que ton avocat est au courant de ça? Tu dois lui dire absolument. En fait, je voudrais que ce soit toi qui le dises à l'avocat. Bon, d'accord, mais je ne sais pas en quoi je pourrais t'aider avec ça. Selena, je sais ce qui s'est passé entre mon père et toi la nuit où Consuelo a été tuée. Tout le monde l'accuse de l'avoir tuée, mais toi tu sais qu'il est innocent. Non, Francisco, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Selena, mon père m'a dit qu'il avait passé cette nuit-là avec toi, que vous étiez amants tous les deux. Menteur. Nous n'avons jamais été amants, et jamais je n'ai couché avec lui. Allez, Toro, t'as de la visite. Qui? Vous ne m'avez pas dit que j'avais de la visite? Non, pas ici, c'est en bas. Mais... mais qu'est-ce qui se passe? Entre! Allez, entre! Comment tu t'en sors, Antonio? Est-ce que tu te fais enfin à l'idée que tu ne ressortiras jamais? Je suis innocent, je n'ai commis aucun crime. Les preuves disent le contraire. Les portables, le cadavre de Lupe dans ton lit, le couteau avec lequel elle a été tuée. Ta vie, Antonio. Des choses qu'un innocent ne ferait pas. C'est vrai que j'ai vu des affaires plus compliquées. J'aurais même pu régler la tienne en une seule nuit. Mais j'ai dû aller à Nuevo Laredo. Je n'ai rien fait. Assieds-toi. Assieds-toi. Cette histoire de ton innocence, personne ne va y croire. Même pas toi. Antonio, tu sais très bien ce que tu as fait, alors arrête ton cinéma. Mais tu sais qui ne mérite pas de payer pour tes fautes? Tu sais qui est celui qui est enfermé injustement ici, hein? Ton fils Francisco. Il pourrait être dehors à affronter tout ça en liberté. Mais il a décidé de rester avec toi. Il est courageux, je veux bien le reconnaître. Pour moi, il est bête, mais très courageux. Ton fils t'aime, Antonio. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je lui ai dit de partir. De me laisser ici. Que je pouvais me débrouiller seul. Francisco croit que tu es innocent. Et il ne sortira pas tant que tu seras là. Mais toi et moi, on sait que ça n'arrivera pas. Comment veux-tu que Francisco sorte d'ici? Mort dans une bagarre, c'est ça que tu veux? Plus le temps passe, et plus il est en danger. Tu veux me faire avouer, c'est ça? Je suis innocent! Que veux-tu savoir? Je veux que tu arrêtes d'être égoïste, Antonio! Et que pour une fois dans ta vie, tu prennes tes responsabilités et que tu te conduises en père! En vrai! Comment? Tu dois le laisser partir. Tu dois le convaincre de ta culpabilité. Tu dois lui dire que c'est toi qui as tué toutes ces pauvres femmes. C'est comme ça qu'il sortira. Ce n'est que comme ça que tu lui sauveras la vie. Il n'y a que deux solutions, Antonio. Soit tu continues à dire que tu es innocent et vous coulez tous les deux, ou tu plaides coupable et ton fils est libre.